Salut, c'est Mathias pour une vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la fin pour Ramawashi. Donc certes, j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps dessus, au début de ma création de ma chaîne YouTube, j'avais fait une toute petite vidéo sur la fin pour Ramawashi. Le son n'était pas trop de bonne qualité puisque c'était une première vidéo. Donc là, je vais vous en faire une de meilleure qualité afin que vous puissiez comprendre. Avec une petite astuce personnelle pour bien placer cette feinte. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc juste avant qu'elle commence, je te demanderai si tu veux de lâcher un pouce en l'air ou un pouce en bas, selon ton choix, si tu as aimé ou pas aimé. Tu me dis dans les commentaires pourquoi t'as pas aimé. Bien sûr, je reviens encore sur l'humilité en karaté, c'est important. Donc j'apprends de tout le monde et je prends de tout le monde. Donc et aussi en bas, en droit, à droite de ton écran, abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux revoir des prochaines vidéos de moi. Des tutos, des combats ou des best-of ou des mini courts-métrages ou des films. Et c'est parti pour la fin. Donc c'est parti. Démonstration de la fin de Toramamashi. Donc c'est parti. Alors pour effectuer la fin de Toramamashi, donc il faut être suffisamment proche de son adversaire. Donc souvent la fin, si on parle de garde normale, elle doit être faite vraiment en passant par la garde pour revenir après ensuite, après qu'il mette son bras et revenir boum, dans la tête. Donc, petit conseil, ma petite astuce personnelle pour cette feinte, pour la réussir, moi je vous conseille de faire un hurrah avant. C'est-à-dire, je m'explique, on est en garde, on est ici, boum, on démarre, on est relâché, on feinte, et boum, on passe en hurrah. Direct, boum, le hurrah. En pas glissé bien sûr, toujours rester sur cette tactique de pas glisser. Moi quand j'étais en entraînement en Martinique, on me faisait souvent faire des boum boum pour justement habituer des montées au ras comme ça pour le pas glisser. Alors on fait son pas glissé, on effectue le ras ici, boum. Ensuite, on fait un premier ras pour le mettre dans le bas, toujours relâché. On va venir ici, venir pam, juste faire une légère petite feinte ici pour revenir de côté. Donc ici, vraiment, pam, pam. Vraiment cette petite feinte. Vraiment ici, alors, je récapitule, on fait son bras et pam, pam, la feinte. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne si t'as aimé. Et lâche un pouce. Et abonne-toi juste en bas à droite.